Les 73-51, Gilles, comment vas-tu? J'ai pris mon petit déjeuner. Donc ça passe QRP là de mon côté. Hein. Ah, je suis en stand-by là depuis bien une bonne heure. Hein. Mais bon, là j'étais pris sur autre chose, j'étais en train de m'occuper des vidéos, ceci, cela. Je me suis dit, chaque chose en son temps, on rattrape d'abord le retard et on verra le reste après. Putain, mais la propague fait des yo-yo, hein. Parce que là, tu m'arrives avec un Santiago de 1, là, ici, là, au QRA. Waouh! T'as bien un petit peu ce bruit qui est passé? T'as encore tes problèmes gastriques, hein, d'après ce que je vois. Alors là, je suis en simple écoute, simple caméra, parce que là, dans bientôt, là, je pars au travail, donc service minimum. Ah oui, il y a quand même du bruit derrière. Bon, on va faire un peu de rangement. Là, j'ai les deux ordinateurs de sortie. Thank you.
Putain, j'en avais pris l'habitude d'être sur deux écoutes. Là, pour le coup, j'ai un petit peu de mal. C'est con, mais... Ça a bien remonté là. Alors là, oui, c'est pour être à l'écoute, je suis à l'écoute. T'es vachement remonté là de mon côté. Hein. Ouais, donc là, puis en plus de ça, je suis pas du tout sur le web SDR en parallèle. Je suis sur une oreille, c'est tout. Ouais, parce que bon, vu que je repars là tout à l'heure au boulot, ben, comme hier, hein, là, je mets pas tout en route. Hein. Alors, je l'ai entendu, mais c'est très QRP là de mon côté. Les 73-51 à lui, de la part de 14 Kilomike 33-01, Rémi, sur le sud-ouest France, à côté de Saint-Émilion. C'est pas l'Italie, ça. On dirait Cédric de la Moselle. Bon, je sais pas s'il m'a entendu, Gilles, je suis pas sûr. Parce que quand j'ai relâché le micro, j'ai entendu une station qui parlait et j'ai entendu Gilles de prononcer là dans sa phrase. Donc je suis pas sûr que je sois passé du côté d'Italie. Ah, c'est bien ça.
c'est bon, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je à côté de, oui, en 5 millions, ah, ok, donc Assibé, c'est bien lui que j'ai entendu. Vu la voix, je me suis on dirait la voix de Cédric de la Moselle, je crois, si ma mémoire est bonne. Ok, bah oui, oui, je l'ai bien reconnu, il m'arrive très très QRP là sur le QTH. Ok, les 73-51 retournés, Cédric. Et justement, là, je suis en train de faire une petite vidéo et bah, que je travaillerai là dans la nuit, hein. Là, au pro. Et puis, qui sait, peut-être que tout à l'heure, quand je serai sur la route, je prends la route à aller dans... il est quelle heure ici? Il est 16h40. Ah ben, j'ai le temps, je prends la route à 18h25. Oh, ben ça va, j'ai le temps. J'ai le temps. Ok, QSL, Roger. Ok, d'accord, mais c'est ça que je l'entendais. Mais bon, c'était très QRP. Hein. Bon, il pourra écouter là dans la vidéo. Effectivement, on l'entend bien. Hein. Mais bon, c'était. Bah, il est sur directive, je crois. Non, je sais plus. Je sais plus. Bon, peu importe. Bon, de toute façon, je l'ai entendu. C'est comme dirait l'autre, dans la boîte. Ah ça oui, c'est comme qui dirait de la vidéo QSL ou de la QSL vidéo, comme on veut. Mais disons que je vois là, je sais pas sur le Québec, mais en France, déjà quand on faisait des échanges de QSL, on passait par boîte postale. Mais les boîtes postales ici en France, c'est devenu tellement cher que bon bah tout le monde a arrêté d'utiliser les boîtes postales. Certains donnent leur adresse réelle et de plus en plus c'est par adresse email.
Donc, ben, tu fais la QSL sur l'ordinateur, hein, comme celle que tu as, quoi. Hein. Voilà, tu remplis directement sur l'image. Et puis tu envoies la QSL image comme ça, là, en pièce jointe par email. Ça se fait de plus en plus. Hein. Et je vois d'ailleurs en ce moment, c'est le contest DX Kilomac. Et justement, au niveau de l'association Radio Communication Kilomac, RC Kilomac, eh bien, cette utilisation est plutôt favorisée par rapport au reste. C'est-à-dire envoyer les QSL par email. Et ben justement, il y a une adresse email qui est mise là dans le règlement là du contest Kilomac. Et voilà, aujourd'hui, c'est plus ça. Et les gens après chez eux, bon ben ils impriment la QSL sur papier cartonné comme ils veulent, et ils se la collectionnent. Oui, 100% QSL, je les ai pas entendus en direct, mais je t'ai entendu justement dire, surtout pour Pascal, parce que là j'étais à côté du poste en train de travailler les vidéos. Et d'ailleurs là je suis sur le point là de les partager là, aussi bien la tienne que j'ai récupérée ce matin, que moi du coup j'en ai fait une hier soir sur la route. Donc là j'ai deux vidéos là à mettre maintenant en ligne, les deux d'hier quoi. Et du coup là j'ai pu entendre le QSP que tu devais me faire au moins là du côté de Pascal. Ben tout ça retourné à eux, ils pourront entendre ça là, dans la vidéo. Et ça fait bien plaisir d'avoir de la propag comme ça tous les jours, puisque là du coup le DX, les QSO DX se transforment en QSO grand local pour le coup. Hachi. Oui, mais alors attends, parce que là, ça serait dangereux. Ça serait dangereux sur le fait que après, on ferait plus rien d'autre. On resterait tellement accroché à la station que tout le reste qu'il y a à faire chez soi, sur soi, pour le coup, ça passerait de côté pour mettre en priorité la CB. Ouais. Non, vaut mieux qu'il y ait des pauses par moment. Comme tiens, regarde par exemple. Bon, de ton côté, là, t'as des gros paquets de neige à enlever et tout ça. Il y a beaucoup, comment tu dis, de merde blanche qui est tombée. Hachi trois coups. Et bon, si la propag était là en même temps, eh bien, tu serais plus intéressé à être au micro plutôt que d'aller déblayer la neige de dehors. Donc heureusement qu'il y a ces temps de pause justement comme ça pour pouvoir faire autre chose à côté. Bon, je t'avoue que là ce que je viens de dire, je crois pas du tout. Mais bon, tu sais ce qu'on dit, les conseillers sont pas toujours, sont pas les payeurs, et en général c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, ou plutôt qui écoute le moins ses conseils. Bon, je blague, hein, je blague. Je t'ai entendu, Fabienne. Ah, j'entends des appels derrière, là, sur le QTH. Ah, j'ai entendu une station là, avec un Roger bip aigu. J'imagine que tu vas l'entendre. De mon côté, c'est vraiment très, très QRP. Hein.
J'avais un petit QRM, il a baissé, ce qui fait que j'ai pu l'entendre, mais c'est du Santiago de 1 là pour la station qui a lancé appel de mon côté. Avec les bandes 73 de 14 kW 3301 sur le sud-ouest France du côté de Saint-Émilion. Alors, je sais pas, il m'a semblé entendre 14 kilos, papa. J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Les 73-51 retournés. Alors, c'est une radio de 1. Ouais, allez, radio de 1, mais pas plus. Santiago de 1, pas plus non plus. Là, sur le QTH du sud-ouest France, là, du côté de Saint-Émilion. Et au niveau de la station, eh bien, je suis sur un Yazu FT450AT et sur antenne verticale à 9 mètres de haut, donc pas très très haute. C'est une Sigma Mantova 8. Et au niveau géographique, là, je suis dans une cuvette. Alors, suivant où vous êtes, la station, c'est un petit peu normal que j'ai un peu de mal à entendre. Il faudrait que je déplace la maison avec l'antenne, bien entendu, sur le haut d'une colline. Et là, ça serait du caviar, là, pour le coup, de mon côté. Ouais, Gilles, de mon côté, je le devine dans le lointain, mais c'est tout sans plus. Hein. Comment là, j'ai plus personne là de mon côté. La station avec qui j'ai envoyé les bandes 73, je le devinais tout juste dans le lointain. Hein. Et comme là, j'ai pas d'oreille là sur le web SDR d'Ottawa, là, je fais au plus simple là, aujourd'hui. Je peux pas dire s'il y a du monde qui passe là sur le 625. Bon, apparemment c'est calme. Bon, là t'as vu ce coup-ci là, ça a fonctionné là, l'envoi là des vidéos. Hein. C'est là du 12. Ça du 12 ou du 13. Oh, je sais même plus où on en est. Ouais. du 12. Oui, du 12. Ça, ah, qu'est-ce que j'ai? Oui, 100% QSL. Attends, j'ai un souci là de mon... Non, c'est bon, c'est réglé. Ok. Je sais pas, j'ai eu un petit souci là de mon côté. Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Oui, ben... Ah ben, ouais, attends, j'ai un retour. J'ai un retour qui se fait de mon côté. Attends, deux secondes. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, bah, de toute façon, là, c'est vrai que... Attends, j'ai un problème sur la station. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je purge l'alimentation. Voilà, ok. Tac. Oh, you guys get the
1, 2, 1, 2, 3. Eh bien là, ça marche. 1, 2, 1, 2. Ok. Bah si, c'est bon là. Un, deux, trois. Ok. Ça va. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Là, ça va plus. Ok, Rémi de retour. Oh, il y a beaucoup de bruit là sur la fréquence. T'es toujours là, Gilles? Ah si, je t'entends toujours. Oui, affirmatif, je suis là, je suis derrière. Oh, ça passe QRP là de mon côté, ça fait du yo là. Ça, tout à l'heure ça passait très très bien, puis là, pouf, ça a chuté. Je l'ai entendu. Je t'ai entendu parler anglais de ça. Je me suis mis un petit peu sur autre chose. Mais je l'ai entendu. Les 73-51 à lui, voilà, de 14 km, 33-01 Rémi, le sud-ouest France, à côté de Saint-Émilion. Ah oui, c'est son ami de Louisiane à tous les coups. Georgia, and we get contact again 65 there, and nice to meet you, and obviously, I think it is going to be
Je savais pas si t'étais encore en QSO ou pas. C'est vrai que là, j'entends. C'était la Louisiane, hein, c'est bien ça là qui passait. Hein. Bon, en tout cas, toi, t'arrives plus à m'entendre, on dirait. Attention Gilles, est-ce que tu... Non, ça passe plus. Oh, ah ben si, pourtant, ça doit passer. Ok, d'accord. Là, je suis qu'avec la puissance là du poste. C'est voilà, pas plus. Attends, toi, oui. Non, pour ma part, là, tu es le seul que j'ai en fréquence. Et je suis à l'envers des autres stations, moi, là, pour ma part. Donc, pour moi, le matin, le réveil du matin, pour moi, il a été à 15h, là, tout à l'heure. Donc, le temps de m'occuper de mes affaires, ceci, cela, ainsi de suite. Non. Zéro contact, si un, toi, quoi. Oui, Pierre Lapide, qui était en fréquence très tôt ce matin, et qui a fait beaucoup d'écoute sur le 6-2-5, et une coupe de sur le tour, là. D'accord, t'as eu beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui, alors. Oui, c'est ça, mais ça a débuté très, très tôt, là. Très tôt ce matin, il y avait beaucoup d'Alpha Mike, là. Beaucoup d'Alpha Mike du côté de la Louisiane le matin. Et puis en temps normal, on l'a en après-midi ou sur l'heure du dîner. Quand la propague se ferme sur le côté avec la 14, là les stations de la Louisiane arrivent sur le 625 en Alpha Mike. Et c'était bizarre aujourd'hui. Ouais, ben déjà hier on avait hier ou avant-hier, je sais plus, on avait remarqué ça, que plus ça allait, plus la propague arrivait tôt, quoi. Oui, c'est oui, ça commence à tous les jours, là. À tous les jours, là, la propagation débute un peu plus tôt. Je pense qu'on va se rendre jusqu'à 6h30, 7h le matin, là. 6h30, 7h le matin en temps normal. Quand l'heure va changer, là, c'est côté pour l'horloge. Ouais, j'ai bien compris. Oui, 6h30 du matin de ton côté, quoi. Ouais, ben, ouais.
Ah ben, je vois, nous, de notre côté, la propague, on va l'avoir vers les 9h, 10h. Vu les messages que je vois sur Internet, oui, c'est autour des 10h, 9h30, 10h, pour nous ici. C'est voilà à peu près vers quelle heure ça va arriver, quoi. Vers quelle heure, pardon, ça arrive en ce moment. C'est ça qu'on va avoir là. Ça va être une bonne propagation régulière qui commence tôt le matin. J'ai déjà vu une propagation dans le temps que j'étais sur QTH de Gatineau débuter à 7h le matin, puis d'être encore en fréquence ici sur l'heure canadienne, être encore en fréquence à 1h30, 2h PM. 5-6 heures de contact, il y avait comme une cinquantaine de contacts sur la liste de trafic, Rémi. Et là, pour le coup, avec autant de contacts, tu devrais te faire payer, là, pour le coup. Tu ferais fortune. Oui, Christelle, mais pour être capable de faire un peu plus, là, je dois installer la toilette dans le bureau, là, Christelle. Que tu devrais installer là, j'ai pas compris. Tu m'as parlé d'une antenne, je crois, laquelle? La... Ah, oula! Non, tu parles pas d'antenne du tout. J'ai compris, quoi. Ah oui. Là, pour le coup, tu passes ta journée dessus, tu fais tout en même temps, quoi. Et il te manquera plus que le frigo et la cuisinière à côté. Oui, c'est comme ça, je n'aurais pas besoin de prendre de pause, Émilie. Excellent. Noël l'année prochaine, la mère Noël pour l'an prochain, QSL. Ah oui, 100% QSL, peut-être tu m'étonnes. Là, je suis en train de regarder, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai mon alimentation là qui est en train de, je sais pas, qui est pas très cuiro aujourd'hui. C'est bizarre. Oui, j'ai l'alimentation là qui est un peu bizarre, qui clignote un petit peu là aujourd'hui. Je ne sais pas si elle n'est pas en train de me dire au revoir. Je ne sais pas, on verra bien. Mais ouais, c'est bizarre. Tout à l'heure, j'ai eu quelques surprises. J'ai tout coupé, j'ai attendu un petit peu. Elle s'est mise à faire warning. Et attends, c'est quand même une alimentation de 50 ampères. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'elle fasse warning. Et là, c'est un petit peu bizarre. C'est ouais. Je vois là, elle clignote légèrement là. C'est pas bon du tout. C'est ce que je pense. Waouh! Waouh! Ah bah alors là, c'est complètement. Ouais. Là, elle clignote complètement là. Ouais, attends, je vais passer en QRT, les 73 Gilles, parce que là, c'est pas bon du tout. Rémi, moi, je vais rester encore une dizaine de minutes. Je vais rester pour une dizaine de minutes parce que j'ai ma fille qui est arrivée cette nuit. Et puis, on doit aller faire des petites commissions et tout, le QSR. Oui, et puis je crois que c'est l'anniversaire ou bientôt l'anniversaire de quelqu'un. Je dis ça, je dis rien. Oui, ben c'est pour ça qu'elle est ici, parce que la journée d'anniversaire, elle travaille et puis elle est à 6 heures de route de Montpitéas, la ville de Gatineau, côté M1. Et puis, elle travaille la journée de l'anniversaire. Alors, c'est pour ça qu'elle est arrivée cette nuit, cette année. Ouais, c'est demain, je crois, non? Le 11. Attends, ton anniversaire, là, c'est bientôt, là. C'est ces jours-ci, là, c'est.
Bon, là, ça a l'air d'aller, là. Non, ça clignote. Oh, bah alors là, ça fait n'importe quoi. Mais, bah, de toute façon, je sais comment le savoir, ton anniversaire. Lundi. Ah, lundi, ok, oui. Oui, c'est vrai. Bon, allez, je ne vais pas abuser pour aujourd'hui sur l'alimentation. On verra bien demain ce que ça donne, parce que là, c'est bizarre. Là, de suite, ça clignote légèrement. Juste avant, ça faisait complètement warning. Je ne vais pas insister. Je ne vais pas insister, parce que là, c'est des coups... Ouais, je ne sais pas. Je ne la sens pas du tout, là, aujourd'hui, l'alimentation. Les 73-51, et à tout à l'heure, à plus tard. Ok, du sirop d'érable en plus. Ah oui, je connais quelqu'un qui m'avait envoyé du sirop d'érable pur à 100%. Waouh, oh, qu'est-ce qu'il était bon celui-là. Il était trop bon parce que pour le coup, la boîte tout juste ouverte, que ah bah il a déjà plus de langue. Non, je plaisante, il a duré quand même quelques jours. C'est, mais pas plus. Oh, qu'est-ce qu'il était bon ce sirop d'érable. Ok. Bon gastro de ton côté. Surtout que, ah ben il est encore temps, il est quoi, il est 11h10 là chez toi, ouais que je calcule, ouais c'est ça oui, 11h10 de ton côté, 17h10 du mien, ok, bon allez j'y vais, les 73-51 et peut-être à tout à l'heure sur la route, puisque là je prends la route dans 1h15, donc on verra bien si ça passe du côté du push. Sinon, bah, de toute façon, ça sera comme d'habitude, là, sur Internet. Hachi, amuse-toi bien de ton côté, surtout pour lundi. Alors là, c'est sûr que là, lundi, ça va être la fête au Québec. Qui est-elle, merci beaucoup. Bonne journée à toi, bonne continuité aussi sur la propagation. Et puis, au plaisir, puis peut-être tantôt, on va recroiser nos antennes. D'ici là, 73-51, mon ami, et à très bientôt. Un autre petit 5 minutes sur moi, puis on va aller en haut pour se préparer pour les petites commissions. 73-51, à toutes les stations qui sont à l'écoute de la part de 9 Radio 5. 555, Gilles 58. 58 au dernier passage, waouh. Ok, les 73-51 retournés, amuse-toi bien, et oui, amuse-toi bien, à très bientôt. Et à la fin de oui, c'est ça, c'est, tu vois, moi, j'ai des oreilles d'éléphant, puis je suis assis sur le top d'une montagne ici, hein, comme les petits Indiens. Ouais, j'ai bien vu ça, oui. Ciao. Ciao pour now. Ça peut être oh que oui. Oh que oui, oh oui monsieur. Le maître des ondes. Ah oui, le maître des ondes. Bon allez, on arrête nos conneries parce que pour le coup, on va pas QRT. Ok, tu me dis, monsieur, je peux faire un retour, d'ailleurs.
9, bravo Charlie 555. Attention Gilles, 9, bravo Charlie 555 pour 14 km 3301. Rémi qui t'appelle en mobile depuis les environs de Saint-Émilion. Alors vu l'heure, il doit être au casse-croûte. Ça fait midi 35 là, de son côté. C'est pas grave puisque de toute façon, avant ça, on est en QSO journalier. Ça, c'est du grand local. La tendance en ce moment a l'air d'être, je vois que du côté Québec, d'être de plus en plus tôt le matin. Bah, il y avait de la propague nocturne dans pas loin. J'ai le temps, cette nuit, j'essaierai d'écouter un peu dans la voiture. Ok, d'accord, maintenant je sais où ils sont. Donné, il y a un endroit où je vais bien me mettre, c'est un petit peu plus loin là. Enfin, déjà là par là, quand la propague est là, c'est hallucinant. Là où j'éclaire, c'est à l'Aveyron. Voilà, ici, là, avant qu'ils mettent le poteau, je me mettais là, et là, ça passait du tonnerre. J'ai essayé ce même jour, fait une fois sur Pomerol, alors là, c'est zéro. Et du coup, j'étais vite revenu ici. Thank you.
SIO en fréquence alors qu'il y a plein de places plus bas. C'est parce qu'il y a trop de places en bas qui vont en haut. Ben oui, c'est un stop, mais je m'arrête. Alors en France, les gens sont surpris quand on s'arrête à un stop. Curieux, non? Je dis ça parce que lui, il arrivait comme il faut, puis bof, je l'ai vu ralentir. Et passer du coup doucement. Bonjour Jean-Michel, es-tu revenu? Charlie Oscar 37 set on to your Canada, according to stand by. Quand il n'y aura plus de propag, il va encore se plaindre. qu'est-ce qu'ils font là? Oh putain, je suis mort de rire.